Une forte gifle pour le blanc malveillante du Qatar. Dans une forte gifle pour le blanc malveillante du Qatar, qui cherche toujours à bander une fausse image internationale. Le club africain tunisien a refusé de participer à la Supercoupe tunisienne, que soutiendra à Doha. La direction du club a décidé, lors de sa réunion, de boycotter la Supercoupe et de ne pas aller à Doha pour affronter le club Esperance tunisien, ce qu'il a déclaré Kamal Ben Khalil, le porte-parole du club l'Afrique tunisien. Les partisans d'Esperance tunisien et du Raja marocain ont accepté de boycotter le super match d'Afrique dans un mouvement de protestation sur la décision de jouer le 29 mars dans la capitale qatarée. Les partisans de l'Afrique tunisien ont boycotté le match depuis décembre, lorsque l'Union africaine a annoncé qu'elle allait passer du stade olympique de Rodez au Qatar. Aussi, les partisans du Raja marocain les ont suivis et ils ont également confirmé son boycott du super match. Cet état vient de la plus ancienne des deux groupes du club dans le monde arabe et en Afrique, en raison de l'effort du CAF pour faire des prouvées financières au détriment des masses. L'un des acteurs le plus éminent de la première jeu populaire au monde. Les clercos, les chics du masse attendaient du super match boussera à l'Union africaine à revoir sa politique non populaire qu'elle s'impose de son rôle principal de développement du jeu sur le continent africain. Le club Esperance tunisien a couronné la version finale de la Ligue des champions africains contre le club égyptien El Ahly, tandis que Raja El Maghribi a remporté la Coupe de la Confédération contre le club congolais Vita Club.